Ces machines. La corruption forme comme un nuage de fumée autour d'eux. Et la chasse commence. Ce poison, on dirait qu'il ronge le métal. C'est peut-être ça qui rend les machines folles. Ça pourrait m'être utile un jour. Le village abandonné dont Maria m'a parlé, il a été dévasté. Je garde ça pour la route. Les voilà. Les veilleurs pourront. J'ai fait mon possible pour éliminer la corruption de cette vallée. Il est temps d'aller voir si les Karja me laisseront traverser les montagnes. Ça se gardera. Des bruits de combat. La forteresse Karja serait attaquée ? Un corrupteur. Thank you.
pas le soleil qui a risqué sa peau, en tout cas. Oh ! J'en aurais sûrement besoin. Hey ! Viens par ici ! J'ai plus de place. Bon. Vous allez m'ouvrir la porte, maintenant? Faites ce qu'elle dit! Ouvre les portes! Et allez prévenir le capitaine Balan! Où est-ce que tu vas, fillette? À l'ouest! À Méridian! Ouvre les portes! Dans le meilleur des cas, la voie des pierres brisées est dangereuse. Je te conseille d'aller parler au capitaine Balan. Il est venu de Méridian il y a peu. Tu le trouveras dans le fort, sur un balcon à gauche qui surplombe la vallée. D'accord. Merci. C'est nous qui devrions te remercier d'avoir détruit ces machines. Sois prudente, Nora. La neige est blanche comme des ossements. Je crois que j'ai des idées noires. J'ai affaire. Si tu as besoin d'aide, parle au capitaine Balan, sur le parapet près du marché. Est-ce que l'assassinat de la capitaine de l'avant-garde compte comme une violation de la traite ? Capitaine Balan, un garde m'a dit que vous étiez allé à Méridian. Vous pouvez me dire ce qui m'attend ? Rien de bon. De plus en plus de machines, et nos éclaireurs ont signalé des corrompus. Comme quoi, la sécurisation... Reste sur la route, c'est moins risqué. Quoique, vu tes exploits, j'imagine que tu n'es pas peureuse. C'est une qualité. J'aurais besoin de ton aide, si tu veux bien faire un crochet par l'Est. Tu dois trouver que j'exagère de te demander ça après tout le reste. Mais... En échange, je répondrai à tes questions, s'il y a des choses que tu veux savoir sur l'hélium. À quoi sert cet endroit exactement ? Le rempart marque la frontière orientale du territoire Karja. Comptoir commercial, point d'étape. Il a plutôt mauvaise réputation dans ta tribu. Sous le dernier roi Soleil, beaucoup de Nora ont été faits prisonniers, puis rassemblés ici avant d'être envoyés à Méridian, pour être sacrifiés. Ce temps est révolu. Le roi Soleil Avat m'a nommé pour veiller à ce que tous les Karja de cet avant-poste respectent les Nora. Où en sont les relations entre les Karja et les Nora à présent ? Le roi Soleil Avat veut la paix, comme les matriarches, semble-t-il. Mais les blessures ne guérissent pas vite, l'humain est orgueilleux. Ma mission est d'éviter toute nouvelle provocation de l'hélium. Surtout maintenant, après... Bien. Ton peuple est encore sous le coup de cette attaque, vois-tu. C'est comment, Méridian ? Ça a beaucoup changé.
C'est très vivant. Rien à voir avec ce que c'était sous le roi Soleil Jiran. Le nouveau roi Avad a tout mis en œuvre pour la faire évoluer. L'esclavage a été aboli. On est allié avec les Océras, mais là, fosse du Soleil, où tant d'étrangers furent massacrés, et maintenant un monument en leur honneur. Alors, les Karja et les Océram sont alliés ? Difficile à croire, mais oui. Le roi Soleil Démon Jiran n'a cessé d'attaquer les Océram, mais Avad a pu les mettre de son côté. Mais pas tout seul, bien sûr. Ersa et Eren l'ont bien aidé. Famille Océram, très influent, libérèrent Méridian avec leur armée. J'étais avec eux. Mes hommes et moi avons grimpé la falaise nord et repris le Temple du Soleil. On a dégagé les Buzards et les prêtres de Jiran. On voit beaucoup d'Océram en ville maintenant. Et on les entend beaucoup aussi, ils se chamaillent tout le temps. J'ai l'impression que ce nouveau roi Soleil vous plaît. Le Soleil l'a choisi. Après 10 ans de guerre, l'Hélium a besoin de quelqu'un comme lui. Une lumière apaisante, pas un barbare. Jiran versait le sang à la première occasion. Pour le roi Avad, c'est le dernier recours, même envers ceux qui le moquent. Certains disent dans l'ombre qu'il est faible. Non, la paix est une force et le Soleil le prouvera. Vous pouvez m'en dire plus sur la route allant à Méridian ? Le roi Soleil Avad a mis en œuvre une quantité de ressources pour la sécuriser. Mais le Soleil m'en est témoin. Il est plus dur de le contrôler maintenant que pendant la guerre. Les machines deviennent de plus en plus dangereuses, sans compter les bandits et l'apparition des corrompus. Nos hommes sont répartis sur quelques avant-postes. Quant aux autres zones, eh bien, elles ne sont pas protégées. Un Océram du nom d'Olin est venu ici ? 2 fois, avec la délégation royale envoyée chez les Nora. Ils sont passés à l'aller et au retour. Ils nous ont raconté l'attaque dont ton peuple a fait l'objet. Je te présente mes condoléances. Vous savez où il se trouve ? Pas précisément, mais je suis sûr d'une chose, il allait à Méridian. Tout le monde va à Méridian. Qu'attendez-vous de moi ? J'ai envoyé des patrouilles à l'est quand on nous a signalé des corrompus. Mes craintes étaient bien fondées. J'ai donc fermé les portes. Mais plusieurs de nos hommes étaient encore à l'extérieur. Walid, explique-lui. Les machines nous ont attaqués près d'un village Nora déserté. L'Akira a ordonné le repli. Et j'ai perdu les autres de vue. Tu n'as jamais vu de guerrière Nora, soldat ? Fais preuve de respect. Parle-lui à elle directement. L'Akira nous demande toujours de revenir à la base, et c'est ce que j'ai fait. J'ai la cruelle sensation de les avoir abandonnés. Maintenant que les portes sont ouvertes, je peux lancer les recherches. Pourquoi ne pas envoyer plus d'hommes pour les chercher ? Walid pourrait y aller ? La plupart des Nora n'aiment pas beaucoup les soldats Karja. C'est risqué d'envoyer des patrouilles si près de vos terres sacrées. Je préférerais donc éviter. Mais toi, tu n'auras pas ce problème. Allez, dis oui. Que dis-tu, soldat ? Rien, monsieur. J'essaierai de retrouver vos disparus. Je t'en remercie. Et Walid encore plus. T'as entendu, tête de nœud ? T'auras pas à y aller. Je le promets.